À présent pour la Bulgarie, on retrouve Kadoyan Georgiev qu'on avait vu tout à l'heure dans le solo masculin. Cette fois, il est assisté de Constanza Popova. Et là, on entend les Bulgares derrière le micro en train de... Kadoyan qui a pris la cinquième place en solo masculin. Excellent, vous l'a dit, en technique, mais très pauvre en artistique. Et il est un tout petit peu mieux en couple. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vrai couple, puisque visiblement, ils sont fiancés, hein, d'après ce que j'ai vu plus tard. Ouais, racontez, vous avez vu quoi? Ah, d'accord. Je veux dire qu'ils se continuent, ils sont très proches, même hors de la des chorégraphies. Ouais. Voilà, les filles ont posé un pont. Mais c'est quand même super que tous ces pays de l'Est, comme ça la République tchèque, la Bulgarie, il y a la Hongrie, l'Ukraine, la Russie, il y a la Slovaquie maintenant qui ne sont pas encore présents, la Crimée, mais tous ces pays font maintenant l'aérobic artistique et ça donne des nouveaux pays. Il y a déjà 20 pays sur la Fédération internationale, rien que sur l'Europe. Et ils font leur transition, et bon, c'est pas encore parfait au niveau de l'aérobic artistique, c'est souvent un peu trop gym, mais ça vient, et c'est un sport nouveau également, hein, c'est un beau passage en tout cas là. Hein. Mais bon, ils se cherchent encore un peu, c'est pas un vrai couple comme on voit Emmanuel Abatello, Oscar Ili, les Espagnols, là également un passage. Puissant garçon. Tu peux moins bien analyser ça. Voilà, ils finissent comme ils commencent. C'est pas mal. En revanche, j'ai vu une petite erreur. Il m'a semblé qu'il n'y avait que 3 abdominaux dans les figures imposées au lieu de 4. Ils ont 10 points de pénalité. Et d'ailleurs, ça va se voir immédiatement au niveau des pénalités. Vous l'avez dit, en figure imposée, on ne gagne pas de points, en revanche, on en perd. 80 en technique, 61,5 en artistique, moins 10 points de pénalité, 132,5, qui termine 5e. Il faut savoir que même sans les 10 points de pénalité, ils auraient pris la 5e place. Et c'est vrai qu'ils auraient été à quelques points seulement du 4e.